need. S'il te plaît, prends ce que tu veux et laisse-moi partir. Où t'as eu cette caisse? Quoi? Je l'ai achetée. À qui? À un type. Je crois qu'il s'appelait... Harry. Fous-moi le camp. Dégage loin d'ici. Tu l'as eu, cette petite merde? Désolé, Eric, je l'ai perdu. Putain de merde. On a un gros problème. Qu'est-ce que c'est? Le type qui a volé, vendu les voitures des Five-Ten, c'est Harry. Waouh. T'es sûr? Ouais. Et tu sais pourquoi? Je sais juste que c'est lié à la femme avec qui je l'ai vu. J'essaie d'en savoir plus. Alors, tu comptes faire quoi pour Harry? À vrai dire, mon plan, c'est d'abord d'aller le voir, et ensuite de lui demander qu'est-ce que c'est que ce bordel. Enfin, si j'arrive à le trouver, évidemment. Malheureusement, Harry a découvert le mouchard et l'a retiré. Coup de bol, j'ai pu entendre son appel à cette femme, et il est parti la retrouver. On t'a déjà dit que tu ferais un bon... Retrouver Harry. Encore loin? Non, il est juste devant. Alex? Mais qu'est-ce que tu fous ici?
Je sais que t'as volé des bagnoles au 510. Je sais aussi que t'as donné l'argent à une fille. La seule chose que je sais pas, c'est pourquoi. La fille, elle s'appelle Connie. C'était la copine de Dayton. Elle a un garçon de 5 ans, Ben. Le fils de Dayton. Ton neveu. Espèce d'enfoiré! Tu m'avais caché ça? Je voulais pas, mais elle m'a fait promettre de rien dire. Après ce qui est arrivé à Dayton, elle a peur. T'aurais dû me le dire. Je sais, et je suis désolé. Et alors? Est-ce qu'il faut que je menotte Harry aux quatre coins de son lit? Ça lui déplairait pas, mais t'en fais pas pour Harry. En fait, il aidait une amie de la famille. Affaire personnelle, aucun risque pour elle ici. J'espère que t'as raison, Alex. Comment ça va avec Eric? Ça avance. Deux ou trois choses à régler et il prendra du galop. Et j'aurai mon tatouage. Hey, on a un problème. Les V6 débarquent en ville demain pour récupérer leur fric. Il nous manque 20 000. Détends-toi, vieux. On va les gagner. Cette course est notre dernière chance. Si tu gagnes pas, on est mort. Mais pas de pression, hein. Si tu gagnes pas, ils vont tous nous tuer.